Alors, une des premières choses qu'on va faire ici, c'est mettre à jour les titres, puisque la police, là, on ne va pas installer la police que je vous ai fournie dans le dossier d'assemblage, ça va être trop long, trop complexe. On va juste la remplacer par une autre qui est déjà installée sur l'ordinateur. Les sous-titres, les titres de second niveau, on appelle ça, utilisent un style. Ils sont guidés, ils sont télécommandés par un style pour les sous-titres. Donc plutôt que d'aller manuellement modifier sur chaque page, bien sûr, les sous-titres, je vais le faire par le style. Donc on y va, vous prenez la flèche noire, vous allez cliquer à côté d'une page comme ça, pour être certain que rien ne soit sélectionné, avec la flèche noire là. Et puis vous allez faire apparaître la palette des styles de paragraphe. Menu texte, style de paragraphe. Texte, style de paragraphe. Alors, là-dedans, vous devrez trouver, dans groupe de style 1, un style qui s'appelle titre de second niveau. Vous allez double-cliquer à droite du nom, comme ça, et ça va faire apparaître les réglages. Alors, à cet endroit-ci, vous avez les formats de caractère de base, et vous avez le choix de la police. Vous allez pouvoir cliquer là-dedans si vous voulez. Vous pouvez même cocher la case aperçue là derrière, comme ça, directement derrière, dans le document qui est là derrière. Vous allez voir que ça se modifie. La petite case preview, la petite case aperçue. Et on peut passer en revue les polices. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer dans le nom de la police. Et puis, avec les flèches haut et bas sur le clavier, vous avez quatre flèches, gauche, droite, au bas. Avec les flèches haut et bas, vous pouvez passer en revue les polices et vous allez voir que ça se modifie. Voilà. Alors, je ne sais pas, moi j'ai choisi finalement Myriad Pro. C'est pas génial, je préférais l'autre, mais enfin, voilà. Je ne sais pas si vous avez Myriad Pro installé aussi, parce que normalement, oui, parce que c'est une police Adobe, donc vous avez Myriad Pro aussi. Ben oui, pourquoi pas, faites ça, installez Myriad. Choisissez Myriad Pro. Si vous ne l'avez pas trouvé facilement, vous tapez simplement le nom de la police ici. Hein. M, Y, voilà, et vous avez Myriad Pro, régulière, enfin tout le reste on ne change pas, ça devrait passer. Ok, et normalement le surlignage en rose devrait disparaître parce qu'il n'y a plus de raison qu'ils vous disent que la police n'est pas installée, n'est pas accessible sur l'ordinateur. Alors une chose intéressante à faire à ce stade-ci, ce serait d'enregistrer le document. On va faire fichier enregistrer sous. Alors, je vous propose, faites-le, d'enregistrer sous des noms différents. C'est-à-dire que j'ai le document ici 127, je vais passer au document 128, et je l'enregistre où? Ben, à côté de l'autre, dans le dossier d'assemblage, c'est bon, dans un premier temps, c'est pas un problème. À côté de l'autre, le 127.indd, j'enregistre le 128.indd. Enregistrer. Comme ça, si ça plante, on est sûr de ne pas tout perdre. Ceci dit, normalement, il y a un système de récupération dans InDesign. Si ça plante, vous ne perdez que les 5 dernières minutes. Au moment où vous relancez InDesign, il va vous proposer de réouvrir le document qui a été sauvegardé.